Prince Harry, j'imagine que... La réponse déstabilisante de la reine lorsqu'il a voulu épouser Meghan Markle. Le prince Harry a dévoilé ses mémoires il y a quelques jours et il enchaîne les révélations dans celles-ci, notamment une concernant sa demande en mariage. Ses propos ont été rapportés par The Mirror. Le prince Harry a dévoilé ses mémoires, intitulé Le suppléant. Dans celle-ci, le duc de Sussex enchaîne les révélations concernant la famille royale. Il a notamment indiqué avoir dû demander la permission à Elisabeth II avant de demander Meghan Markle en mariage. En janvier 2020, les Sussex ont annoncé leur intention de quitter la famille royale. Depuis, c'est en Californie qu'ils sont présents. Soit de bonne humeur pour lui poser la question. Après avoir mentionné son amour pour Meghan Markle, le duc de Sussex précise. J'ai été informé que je devais te demander la permission avant de faire ma demande. Ce à quoi Elisabeth II aurait répondu, tu dois le faire. Point. Avant d'ajouter, j'imagine que je dois dire oui. Une réponse qui a été un véritable soulagement pour le prince Harry. Dans ses mémoires, le prince Harry se souvient dans les moindres détails de ce moment. Avant de lui donner la permission, la reine Elisabeth II a marqué une petite pause, que le duc de Sussex n'a jamais oubliée. Je ne comprenais pas. Est-elle sarcastique, ironique, délibérément énigmatique? A-t-elle fait un jeu de mots? S'est-il demandé avant de poursuivre? Je n'avais jamais vu ma grand-mère faire de jeu de mots et c'était un moment extrêmement bizarre, pour ne pas mentionner largement gênant, pour qu'elle commence à en utiliser. Toutefois, le principal concerné a tenté de reprendre ses esprits, assurant qu'il était à l'origine de cette réponse. Peut-être est-ce mon utilisation du mot avoir et elle n'a pas pu résister à l'idée d'en jouer, assure-t-il avant de déclarer que, selon lui, il avait l'air d'une marionnette. Je l'ai remercié en disant que c'était fabuleux, a conclu le prince Harry. Un échange qui a beaucoup marqué le frère du prince William mais qui lui a permis de se fiancer avec la femme de sa vie avant de l'épouser en mai 2018.